Et on est reparti après 5 minutes de... de répartition des points, des PP. Je vais pas le montrer, je le couperai tout ça, parce que c'est pas vraiment, comme j'ai dit, c'est pas intéressant. Donc en gros, ce qui a changé, enfin ce qui a été rajouté plutôt... Alors j'ai fait une ligne de plus, que j'ai récupéré des gambits avec... des lignes de gambit avec Fan, donc du coup j'ai fait ça. Des fois on en a besoin, vous savez, pour voler à répétition, genre les boss et tout ça, comme ça j'ai pas besoin de faire l'action moi-même. On a récupéré capturé sur Fran et Baltier. Du coup on a cette ligne qu'on désactivera si les ennemis sont immunisés, ou les boss, tout ça, les boss sont toujours immunisés. Mais voilà, ça va nous permettre de récupérer des objets supplémentaires. Mais voilà, on a 20, Bash il est 22 déjà, putain. Bash il est 22, on va ressortir Van. Penelo, Vano. Ok, très bien. Alors on va pas faire ça maintenant. On va d'abord revenir en arrière, après on parlera à cela là. Parce qu'on a une quête et tout avec eux. Que je voudrais aller là en bas là. D'abord. Donc on va faire ça d'abord. On fait tout le périmètre. Il y a aussi des habilités qui sont, enfin des permis, qui sont extrêmement puissants. Ce sont les permis genre augmente les dégâts quand les HP sont au maximum. Honnêtement, ça sur les mages et tout ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc, si vous avez ça aussi, prenez-les dans les permis assez vite. Parce que, ouais, ça va faire une différence quand même. Ok, pas de coffre, on descend. Ça doit être une grotte encore au niveau. Ça doit être encore une grotte au niveau, je pense. Enfin, ça doit être sûrement la même grotte qu'on a vue tout à l'heure. Je me rappelle plus du nom. Z quelque chose. J'ai rien dit. Non, si, peut-être. Je sais plus. Je ne sais plus, mais au moins on a activé le cristal de téléportation, ça c'est bien ça. Marchand. Valet des morts. Ah oui, 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 je crois que c'est au niveau. Est-ce que tu vends des trucs intéressants un peu? Vu que pour le moment on ne peut pas acheter les remèdes, donc on achète un peu tout n'importe quel type d'objets qui peuvent enlever les altérations d'état. Pierre de terre. Je sais pas si je l'avais expliqué, pour éviter de vendre des objets qui sont uniques, parce que oui, des fois vous avez des objets uniques qui vont en fait atterrir dans votre butin, et rien va vous indiquer en fait que c'est unique. Donc vous allez des fois les vendre, et des fois vous en avez besoin en fait pour des récompenses de mission, pour avoir des récompenses en plus. Ça, je pense que c'est le truc le plus con qu'ils aient pu faire dans ce jeu-là, c'est de mettre tous les objets que vous pouvez échanger contre... pendant... Oh, cool. Pendant des... Je crois qu'on l'a déjà... pour des quêtes... dans le butin. Donc, ouais, c'est complètement con. Tiens, j'avais pas vu le... C'est un élément de terre, celui-là. Ça peut être intéressant. Donc ouais, vraiment 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 très con, donc faites attention à ça. Donc ce qu'on va faire à chaque fois, parce que je connais pas le jeu par cœur, on va tout simplement pas tout vendre, on va tout le temps garder un objet, comme ça, on verra bien si c'est unique ou pas. Par exemple, il y a un objet en tête, c'est la peau, la mue en fait, de Nidhogg. C'est une quête que vous devez faire. Enfin, pas une quête, une chasse. On est où là? On est à la mer des sables, donc du coup on peut aller en haut. D'accord, ça marche. Bon bah du coup, c'est bon, je sais où on est. Du coup on va refaire le tour et on va aller parler pour activer la quête. Et donc la Munidog par exemple, elle vaut cher, je crois.
Mais si vous la donnez à quelqu'un, vous allez récupérer des objets inclus et tout ça dans l'enquête. Donc ouais, c'est con hein, mais bon, c'est comme ça. C'est bien parce que capturer, on va jamais le faire parce que on one shot les trucs en ce moment. C'est plus ou moins que du one shot. Donc ouais, il y a quelques... Merde, je suis allé au bon endroit. Oui, c'est bon. Il y a quelques problèmes dans le jeu. Comme dans tous les FF, hein, y a toujours des problèmes quelque part. Mais c'est... C'est un des plus gros problèmes de jeu. Genre le coup du butin, là, c'est vraiment, vraiment très, très con. J'adore le système de butin pour récupérer de l'argent, en fait, pour se faire de l'argent. Le fait de, genre, voler, terrasser, faire des chaînes et tout ça. Et après, vous vendez tout ça. Et c'est vraiment le moyen le plus simple et le plus fun, en fait, à faire de l'argent. Machin, dites-moi tout. Ouais, il y a une tortue, il va falloir la tuer, la tortue. Pour aider les Jensen trucs là. J'aime bien l'effet leurre là, avec ça dédouble en fait, ça fait une sorte d'effet miroir là, sympa. C'est vraiment bien, mais encore une fois, ça fout la merde pour les objets que vous devez rendre pour des quêtes. Parce que voilà, les objets uniques, bah. C'est dans les fesses, quoi, si vous les vendez. C'est vraiment, vraiment un gros problème. Très bien. Pour le moment, on n'a pas assez de magie. Mais quand on aura plus de magie, on fera 2 sets de Gambit pour les mages, donc H et Penelo. On en fera un où il n'y aura pas de magie d'attaque. Il n'y aura que du buff en fait, et du soin et tout ça. Et après on fera un set, en gros ça sera pour les boss quoi. Et après on va faire un set où on mettra ben, un peu comme ce qu'on a fait en ce moment là, c'est-à-dire que dès qu'il y a un monstre qui passe... Go magie AOE, ça défonce tout, ça one shot tout. Enfin, voilà quoi. Donc on fera 2 sets quand on aura plus de trucs. Yeah, la tortue elle est là. Alors, du coup, vu qu'elle va tout défoncer. Parce que je sais pas s'ils sont allergiques à quelque chose, enfin vulnérables à quelque chose. Épée antique, hein, yes. Normalement, il n'y a plus rien là. Ok, ça marche. Nickel. Ah, en plus, t'es faible au vent, quoi. Ouais, tu te fais défoncer. Ah, immunité, ça c'est Fran qui a essayé de capturer le truc. Voilà, nickel. Épée antique, je sais pas si c'est bien ou pas. Épée qui fait Célérose. 35 de dégâts, pas mal, très bien. Célérose, c'est ça change les gens en pierre. Pff, je vais être honnête. Tous les trucs comme ça qui sont morts. En général, les monstres ils sont quasiment tout le temps immunisés, donc ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Mais après, l'épée, très très bon dégât. Je sais pas sur Van ce qu'on va lui mettre. On pourrait lui mettre au lieu de Ravageur, on pourrait lui mettre. Passer par ici, il allait peut-être chercher son trésor pour vous, pas cru si gentil. Ah, il faut revenir en arrière, je crois. Je me rappelle plus. Je crois qu'il faut revenir en arrière.
Ravageur, donc avec les haches. Pour l'instant, j'avais jamais trouvé de hache très très bonne. Après, on pourrait le mettre chevalier. Du coup, il pourrait mettre des épées. Il utiliserait des épées à la place de des dagues. Mais, enfin, lui, ça c'est mieux de faire des dagues, mais... Ah, bah il passe par là. Donc, je sais pas. Après, on aurait les grosses épées. Je crois que Ravageur, il a rien de spécial. Ravageur, il a que des haches et boucliers. Et je crois que c'est que ça, en fait. Je pense pas qu'il y ait des haches à deux mains ou des trucs comme ça. Faudra regarder quand on pourra. Par contre, chevalier, il y a épée à deux mains, par contre. Donc, ça peut être marrant. Mais comme j'ai dit, Van, ça va être dague. Et les sabres de ninja. Vraiment très très puissants, les sabres de ninja. Par contre, on a un problème avec les sabres de ninja. Je comble là, parce que c'est pas vraiment très intéressant ce qui se passe. Il y a 4... Il y a 4 permis pour les sabres de ninja dans le job voleur, quoi. Il y a sabre de ninja permis 1, 2 et 3. Et après, il y a des sabres uniques, genre des armes uniques. Et ces 4 permis, en fait, sont derrière des permis pour les attaques spéciales, genre vortex et tout ça. Mais il existe que seulement 3 attaques spéciales. Donc du coup, vous pouvez que prendre 3 permis sur 4. Donc ça, c'est un problème. Ouais, les Urutans, ils sont très chelous. Hein. Genre, il a souillé le nom des Urutans en demandant de l'aide de... une aide extérieure, en fait, donc du coup, il le tue. C'est sympa. Chelou un peu leur truc, mais bon, comme ça. Par contre, on a ça, la baie d'Ixilo. Extrêmement rare qu'une fleur pousse dans la mer de sable. Coupeau, c'est peut-être un trésor qu'il avait trouvé. C'était ça, justement. Donc, là... Le fruit, là, ça permet de rendre aveugle, je crois. Le gardien du tombeau de Wraithwall. Ouais, c'est ça, c'est cité. Du coup, on va... honnêtement, on n'en a pas besoin. Comme j'ai dit, les boss sont très très simples dans le jeu. C'est contre Garuda, je crois que c'est ça le nom du monstre. C'est Garuda. Donc ouais, pour vous montrer de quoi je parlais, c'est ça. Non, pas les gambits, les permis. Qui sont là, les permis. Vous avez le sabre... Permis 2, c'est sabre Diga. Après, vous avez le permis 1, s'il y en a 4. C'est celui-là qui est le plus intéressant, honnêtement. Après, vous avez le sabre de Koga, permis 3. Et après, vous avez là... Orochi Yagyu, donc on en a deux. Donc voilà, et à chaque fois c'est derrière des attaques spéciales. Donc vous pouvez pas avoir les 4, vous êtes obligé d'en choisir 3. Et après il y a un mod qui change ça, parce que bon, c'est un peu con de pas pouvoir comme ça, de pas avoir accès à tout. Où ils mettent, je crois, les 3 derrière une seule attaque, un truc comme ça. Donc du coup vous pouvez avoir les 4 permis si vous voulez. Donc, je l'ai pas mis, le mod. On va pas le mettre, parce que je me rappelle que moi, j'avais débloqué genre 3 sabres sur le permis 1, qui sont extrêmement bien, donc ça, on va le prendre. Par contre, après, j'avais eu le permis 2, et j'avais testé le sabre. C'est un sabre avec l'élément terre. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui est faible contre la terre, en tout cas de mémoire. Donc celui-là, le permis 2, on peut le zapper. Mais bon, voilà, c'est un peu bête de pas pouvoir... tout mettre, quoi. Donc voilà, je pense pas qu'on aura besoin du... qu'on va avoir besoin du mode. Les MP de Penelo, ça va beaucoup mieux. Hein. J'ai débloqué... Avec Penelo, j'ai débloqué... Bon, alors déjà vivacité, comme ça elle va plus vite en action. J'ai débloqué...
Je crois que celui-là, je l'avais pas. Diminution des coûts de PM de 10%. Mais je crois que j'ai que ça, en fait, débloqué. Mais ouais, le fait de qu'elle utilise encore moins d'MP, du coup, ça la rend infinie, je crois. Ouais, R, c'est A. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que là, elle perd plus d'MP, quoi. Bon, après, elle touche... Ouais, elle fait beaucoup de... Elle tue beaucoup de jeux. Plusieurs personnes en même temps. Donc c'est pour ça. Mais voilà, comme j'ai dit, hein, les mages. Hein. Les mages pour farmer, indispensable. Soyez bourrin le plus possible. Quoi. Et ça aide tellement pour survivre, c'est ouf. Le fait de pouvoir tuer tout le monde très vite. On va casser la chaîne. Très grave. On va voir s'il n'y a pas un coffre ici. Spécial. Il y a aussi un truc que j'ai... Enfin, une magie, pardon. Arrêter de dire truc. Une magie que j'ai récupérée extrêmement tard parce que j'avais loupé le coffre, c'est purge. Purge, ça permet d'enlever genre miroir, les buffs en fait, ça permet d'enlever les buffs. Et c'est tellement important. Et après pour contrer ça, vous avez des objets, je crois qu'on en a. Je crois qu'on a éclat de purge. On a ça, mais vous pouvez pas en acheter ou quoi que ce soit en fait. Vous les trouvez en fait sur les monstres, donc c'est la merde. Et jouer sans pur, c'était un peu relou des fois. Surtout que comme j'ai dit, on a le mode là pour augmenter le temps des buffs. Donc quand quelqu'un a miroir, bon bah hein, il a miroir quoi. Fais des AO, pardon. Ah putain, ils sont faibles à l'eau. Ah oui, non, elle a fait d'abord sur les coquatrices. Là. Très bien. C'est ouf qu'on prenne quasiment aucun dégât et tout, c'est... Ah, comme je vous ai dit, hein, le coup du qu'on est l'heure maintenant. Et avec ma connaissance en fait d'avoir beaucoup joué et tout ça. De recommencer là, on est extrêmement puissant. Enfin, on n'est pas extrêmement puissant, on est extrêmement efficace en fait. Par contre, on va peut-être pas trop jouer ici. Ouais, non, il n'y a pas les cailloux qu'on peut pousser en fait. Non, 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 le jeu vous dit de pas qu'on peut pas en fait se balader ici quoi. En gros, si les monstres vous repoussent pas, bah du coup, le jeu vous permet pas de passer, ça marche. La DMP, Pénélope, 130, ça va. Ah mais il y a Fran aussi qui essaye de voler. J'ai oublié de lui désactiver le vol. C'est pas très grave. De toute façon, comme j'ai dit, hein, que il y a Penelo qui one shot tout. C'est pas très... Ça va pas changer grand chose. Ah.
Fais un train, Val, vas-y. Très bien. Vas-y, défonce ça aussi. Défonce tout, on défonce tout. Ok, alors. J'ai cru qu'elle était en train de faire concentration. Fais voir, 23. Ah bah ouais, ça va vite, hein. On peut repasser sur H pour temporiser et on peut enlever. Attends, du coup. On va enlever les volets et on va prendre possession de Vossler. Voilà. Ah bah tiens, on peut mettre invité, je crois. Yes. Hop là, l'heure sur invité. Par contre, je sais pas si ça marche que les invités, en fait, enfin tous les NPC qui sont, ouais, ça marche, ok, qui sont hors de notre groupe, ils sont immunisés genre à vitalité par exemple. C'est con, hein, parce que vitalité ça double les HP. Mais on peut pas mettre vitalité. Donc quand vous avez mis vitalité sur allié, c'est extrêmement chiant parce qu'en fait vous spammez vitalité et puis ça marche pas. Par contre, que je vérifie. N'absorbe pas l'air, ténèbres, ok. Marche. Et ça aussi, ça c'était pas possible avant de prendre possession de. Des invités et on peut même changer ses gambits si on veut. Pas son équipement par contre. Mais on peut les diriger, on peut changer les gambits, tout ça. Et ça, c'était pas possible dans la version originelle du jeu. Ça a été rajouté avec la Zodiac Age. Donc, vraiment cool. Parce que là, on a plus de tank en fait. On a plus de mêlée. Très bien. Bon, par contre, il est un peu faiblard. Il n'a pas vraiment de job. C'est juste un. Ouais, non, il n'a pas vraiment de classe, quoi. Du coup, il a très peu d'HP. Mais c'est pas grave. Pourtant, il est plus haut niveau que nous, hein. Il est 26. What? Ah mais y'a personne qui a acuité? Quand on fait ce... Attends. On va le mettre à Fran. Acuité ça marche pour tout le monde. Mais ouais. C'est vrai qu'avec cette configuration là en fait, bah du coup y'a personne qui a acuité. Acuité, acuité. C'est comme la cuisine. Acuité. Voilà, très bien. Comme ça on verra les... piège et tout ça. Nickel. Balance. Balance, c'est une magie ou une habilité? C'est ça, ça fait les dégâts avec les HP qui nous manquent, je crois. Ah non, c'est une magie. Magie temporelle, dégâts de zone, égaux au PV manquant du lanceur. Donc ça aussi, c'est de la merde. Ça nous force à rester bas en vie. Complètement con. Alors oui, si vous avez 10 000 HP, oui, si vous en avez que 1000, vous faites 9000 de dégâts à chaque fois. Ça a l'air pas mal, mais honnêtement... Le moment où vous avez 10 000 HP, c'est que vos magies en fait font extrêmement mal. Donc ça sert plus à rien, ça.
Même balance, même maintenant. Genre à la limite, faudrait le faire avec... Parce que c'est qui a beaucoup d'HP? Les tanks, on est d'accord. Donc Bash, par exemple, il a 1000, il a 2600. Voilà. On le met à 100 HP, il fait 2500 d'attaque, c'est énorme. Mais du coup, c'est temporel, il peut pas le faire. Et avoir un tank, garder un tank à 100 HP, c'est débile. Il y a plein de trucs comme ça dans le jeu qui servent honnêtement à rien. Plein de choses qui servent à rien. Qui sont sympas en fait sur papier, mais sur le terrain, sert strictement à rien. C'est un peu bête. Elle a 25 HP. MP, pardon. On va se faire cette partie-là. Pouf, tout le monde est esquivé. On va bien se la prendre, celle-là. Vas-y, passe par là. H! Merci. Honnêtement, zéro problème. Chapeau de guerre, je crois que ça c'est du léger. Ouais, c'est du léger. Je préfère le mettre sur sur Van. Faudrait lui apprendre par contre. Permis... chapeau. C'est du permis 4. Permis 4. Très bien. Ah oui, des fois optimiser c'est bien. Ça dépend. Attends, là tu mets des chapeaux de gaz, très bien. Et j'avais pas vu qu'on avait la chemise de Mae. Ok, on n'en a qu'une seule, ça marche. Optimiser. Vous voyez, là il va nous changer l'arme en fait. C'est con par exemple. Masque de cuir. On bâche. Ok, très bien. J'essaie de pas lui mettre des permis pour les masses. La hache, parce qu'elle va jamais utiliser de masse, ça sert à rien les masses. Si les masses, à la limite, augmentaient la magie, parce que ça vient du mage rouge, donc on pourrait croire que... Oh, pour point. Chapeau vif et clair. On pourrait croire que, vu que, voilà, ça vient d'un mage, ça va augmenter, mais en fait, pas du tout. Du coup, on gardera les PP pour quand on pourra lui mettre mage noir. Et là, on lui mettra... les bâtons et tout ça, elle aura les mêmes bâtons que Penelo. Et là, elle va faire extrêmement mal. Je vais regarder après l'équipement qu'on a récupéré. Ça, c'est une épée, je crois. Pèlerin, je sais pas ce que c'est. Ah, peut-être des dagues. Cet endroit est pas mal. Cet endroit par contre est difficile. Parce que vous avez vu, il y a quand même beaucoup de gros ennemis en même temps. Mais bon, pour nous, c'est rien du tout. Pour nous, c'est strictement rien. Ah, fait concentration. Ok, ça va. Alors, fais voir un peu.
Alors, pernicieuse, ça fait nécrose. On a une épée à une main aussi. 40 de dégâts, très bien. On a aussi l'épée antique. La pernicieuse est pas mal. Pernicieuse. C'est pas mal ça. Ah, le pourpoint, donc c'est ça. On perd un peu de force, on gagne en défense. Ça aussi, je sais pas exactement. Il y a des... J'avais regardé sur internet, des gens ont fait des tests. C'est une catastrophe. Point de vue stat et arme, c'est une catastrophe ce jeu. Genre, il n'y a rien qui va ensemble. Alors, apparemment, le katana, si vous augmentez la magie, ça augmente les dégâts des katanas, apparemment. Genre, les haches, c'est la vigueur. Les épées, c'est la force. Ah, il y a plein de trucs comme ça, c'est super, super relou. Honnêtement, pour optimiser. Donc ouais, pernicieuse. Toi, tu peux passer à la chemise de maille. Là, on a le blastron de bronze, très bien. Alors, toi, t'as le... Ouais, mais c'est plutôt toi qui fais des gros dégâts. Enfin, de toute façon, on s'en fout, c'est juste la vitesse, en fait. Chapeau vif éclair. C'est bizarre parce que... Elle, elle gagne en magie, mais pas elle. Pourquoi? Pourtant, c'est le même équipement. C'est quoi cette merde? Bon, c'est pas grave. Ok, très bien. Bizarre, je vois pas pourquoi il y en a une qui prend un point de magie et l'autre non. Genre, ça faisait moins un son équipement? Chelou. Je crois qu'on arrive bientôt au combat. Alors, blablabla, blablabla, blablabla. Enfin, faut lire honnêtement parce qu'ils vous donnent ils vous donnent pas mal de conseils et tout ça. Ah, maintenant on peut acheter les super potions. Donc on va en acheter. On va changer les gambits parce que pour le moment les soins. Enfin, maintenant on commence. On a soin 1 et 2. Ça va honnêtement, on va rester longtemps avec soin 1 et 2. Donc c'est pas mal. Par contre, il y a un truc que j'ai vu. Ouais. Genre elle, ça sert à rien. Le soin sert plus à rien avec elle, surtout qu'elle est pas vraiment magique. Donc on lui enlève. On peut même faire ça. Voilà. Super potion, très bien. Alors, on fait voir. Stop. On le prend, mais ça sert strictement à rien. Horlogie, honnêtement, on le prend, mais ça sert strictement à rien aussi. Donc là, on a une ceinture brodée, défense magique. Je sais qu'il y a des protections en fait qui augmentent la magie. Alors ça fait un peu cher. Alors, fais voir là, qu'est-ce qu'on a. Attends, d'abord je veux voir si ça va en prendre deux. Ouais, ça augmente la magie, ça va. Je voulais juste le voir moi-même. Ça augmente les MP aussi. Très bien. Après, on a un bouclier d'or. Les boucliers d'or, honnêtement, enfin les boucliers en général, maintenant ça va plus vraiment nous servir parce que de toute façon, H, comme j'ai dit, elle va passer au bâton. Et on n'a plus vraiment de chevalier, quoi que ce soit. À la limite, c'est bien pour Van, et encore, je suis pas complètement sûr. Bon, à la limite, oui, pour Van. Mais Van, il va passer au katana bientôt. Enfin, sabre de ninja, comme il dit. Et pour les armes, qu'est-ce qu'on a? Arc long. L'arc long, il est cher. Mais... Le Cyrus. L'arbalète sert à rien. La lance pour l'instant sert à rien. Allez, on va prendre les derniers types d'armes. Ok, très bien. Alors, ce qui est con, c'est quand on prend des armes de tir, on peut pas directement les mettre. Ouais, on passe à 50. Ça va être bien. On a des flèches fourchues, très bien. Toi,
toi, on passe à 18. L'attaque des pistolets sont extrêmement basses à chaque fois. Mais ça veut pas dire que ça fait pas de dégâts. C'est juste un peu débile. Par contre, je crois que le bouclier en or... Le permis, il l'a peut-être pas, le voleur, si. Non, si, il l'a. Ok, ça marche. J'ai rien dit. Voilà. Voilà. Il y a un truc qu'on va enlever, c'est Gambit à hache. Ça, je veux pas qu'elle attaque au corps à corps. 22, 22, 22. Très, très bien. Est-ce que c'est le tombeau ici de Wraithwall, ou alors il y a encore une zone, je me rappelle plus. Sauvegarde la partie si vous le désirez. Oui, je crois que oui. Du coup, on n'a pas de d'MP. C'est pas très très grave. On va se débrouiller. Cinématique. Très joli le temple comme ça. Très bien. Donc là, par contre, ouais, on n'a pas de... Ah mais non, ça va, ils nous ont remis full HP MP. Ça va, c'est bon. Alors par contre, on va... virer toi. Ok, très bien. Gambit. On va virer ça. Tu me fasses Gambit ça sur Van. Est-ce que ça, ce sera le tank. Vas-y, caste-moi tout ce que tu dois faire. Bon, du coup, sur Vossler, le leurre va durer un moment, mais c'est pas grave. De toute façon, il est résistant aussi. Enfin, honnêtement, non. Là, on peut utiliser la Bédixilo. Honnêtement, ça sert à rien. Je vais être honnête, ça sert strictement à rien. Parce que le boss, il va être bidon. Comme je vous ai dit, hein, les boss sont vraiment bidons dans le jeu. Galuda. Croc de tonnerre. Vous avez vu les dégâts? Alors on est un tout petit peu plus... Alors, je suis d'accord qu'on est un peu plus haut niveau que normalement. Ok, je suis d'accord. Mais, vous avez vu que quand on a mis des gambits en fait de magie et tout ça, que ça, les mages en fait spam les magies, ça fait extrêmement mal quoi. C'est un carnage en fait. Donc je comprends pourquoi il y a un mode pour genre doubler, voire tripler les dégâts en fait. Vous voyez les dégâts qu'on fait? Voilà, machin est mort. C'est ouf, c'est juste ouf. Donc ouais. Yay, trop bien. Après j'aime bien ces petites animations là. Mais je voudrais bien tous les voir. Parce qu'à chaque fois ils focus sur une personne et pas les autres. Mais tous les autres, enfin tout le monde fait des animations. En plus j'aime bien parce qu'on avait Van devant en tant que tank. Et les trois autres ils étaient derrière. Genre t'avais Vossler qui faisait allonge de loin, t'avais Ash qui faisait de la magie de loin, et t'avais Fran qui tirait avec son arc de loin. Donc c'était nickel, ils étaient tous hors de portée des dégâts. C'est super quoi. Long ago, the gods granted their favor to King Wraithwall, who would oversee the subjugation of a vast territory spanning from Mordalia to Valendia. Here he forged the Galtean Alliance. Though he is called the Dynast King, upon establishing the Alliance, he demonstrated compassion for his people and disdain for needless war. A philosophy passed on to his successors, one that would bring peace
and prosperity for hundreds of years to follow. It was during this time of peace that the city-states of Arcadia and Rosaria, each members of Wraithwall's alliance, took root and flourished. Wraithwall left three relics signifying descent from the Dynast King. Of these, the Midlight Shard was given to what would become House Nebradia, and the Dusk Shard to my ancestors, the founders of Dalmasca. The last of these relics was the Dawn Shard. It remained hidden here, known only to those of royal blood. As though the Dynast King foresaw the very plight before us now. None save descendants of the King are suffered within. If we attempt to enter without proof of such lineage... There's no guarantee we'll make it out alive. Vicious beasts, fiendish traps, something like that? Mm-hmm. But you must consider the prize. The Dawn Shard lies within, and Wraithwall's treasure. And there was I, thinking this was going to be hard. Ta-da! C'est vrai que je regarde, sur mon OBS, des fois j'ai encodage surchargé, alors que... Ça a l'air d'être aléatoire en fait, ça a même pas l'air d'être par rapport au jeu, genre qui fait chauffer le PC ou quoi que ce soit. C'est pas normal ça, j'ai jamais vu. Surtout un jeu comme ça. Tu me fais ça sur Doom, à la limite je peux comprendre. Mais... Donc je regarde. Donc je m'excuse si des fois ça... Genre une ou deux images qui sautent, ça m'étonnerait honnêtement. C'est vrai que je regarde. Et oui, on a tué le machin. Oui, c'est vrai qu'on a plus d'argent. Merde. Ah, mais on n'a pas vendu, lol. C'est vrai, on n'avait pas vendu. Ouh, les fruits succulents, ils sont bien chers. C'est pas mal ça. Ça fait queue de phénix. Encore des queues de phénix. Fusil à eau. Ah, on a Vega. Je crois que Vega c'est pas intéressant. Non, c'est. Ouais, non, c'est bas Vega. Mais par contre, maintenant on a des balles d'eau. On peut les mettre parce qu'elles ont plus d'attaque, mais encore une fois. Faudra juste faire gaffe, si on voit des dégâts verts, ça veut dire qu'ils soignent les gens, voilà, tout simplement. Quand il tirera, machin. Notre balle tueur, Alors, je vais faire un truc là, on va faire les cinématiques, tout ça. Après je vais faire des gambits spéciaux pour combattre le... Le mur démoniaque là. Le mur démoniaque, c'est honnêtement l'ennemi le plus chiant du jeu à tuer. On n'est pas obligé de le tuer en plus. Et honnêtement, il sert pas à grand chose. Pas dans cette version là en tout cas. Parce que dans la version d'avant, PS2, si vous tuez les deux murs démoniaques, c'est quoi ce truc, ça vous permet d'avoir accès à un coffre. Et il y a dans le coffre, bon déjà il a 70% de popé le coffre. Et dans le coffre, il y a genre 50% de chance d'avoir une très bonne épée. Si vous la récupérez genre à ce stade-là du jeu, honnêtement, c'est vachement bien. Armés par les dieux, nous gardons sa tombe, que les prétentieux face à nous succombent. Donc le mur, il est là. Donc on va ressortir. Et du coup, c'est vachement bien en fait de tuer les deux murs à ce moment du jeu. Mais le premier mur est extrêmement, extrêmement dur. Parce que vous avez très peu de temps, il fait très mal. Enfin voilà. Dans notre version là, ça sert strictement à rien. On va avoir un coffre avec un objet à la con dedans. C'est tout. Vous n'avez pas l'épée en fait. L'épée, vous la récupérez plus tard dans un marchand ou une connerie comme ça. Mais moi, j'ai envie de le tuer. Donc le meilleur moyen de le tuer, c'est où. Vous prenez votre permis, vous débloquez les trois habilités là sur tout le monde. Et dès que vous commencez le combat, en fait, vous balancez ça. Ça fait extrêmement mal, vous allez faire genre plus de 50% de dégâts. Ou alors, vous avez une autre façon. Et nous, c'est ce qu'on va faire.
bâche. On va prendre Pénélo et H. Ah, est-ce qu'il faut le voler? Ah, il faut peut-être le voler. On va prendre Van. On va faire ça comme ça. Alors, on fait battre Gambit, Van. Okay, tu vois. Ouais, enfin, les deux peuvent rester. Alors que je fasse de la merde. Vossler, il a toujours, toujours l'heure depuis tout à l'heure. On va faire ça. Et on va se mettre miroir en fait. On va se mettre miroir et défoncer la, le miroir, le mur comme ça. Alors, comment on va faire ça? Toi, t'as quoi comme magie qui fait très mal? Toi, t'as R. Ça, c'est dégâts d'air aux ennemis à portée. Donc, ça va faire 3 R qui sont qui repartent en fait sur l'ennemi. Je crois pas qu'il soit immunisé contre le vent. Donc, alors, allié ayant l'altération miroir, R. On va faire comme ça. Allié ayant l'altération miroir. Ok. Ok, on va voir comme ça. Et nous, on a un éclat de miroir 2. On en a deux même. Donc ça, ça va mettre miroir sur tout le monde. Donc elles, elles vont spammer... miroir, les deux elles vont spammer non elles vont pas spammer miroir, elles vont spammer R sur tout le monde. Donc à chaque, bah on est 4 en plus, on n'est pas que 3, donc ça va faire 4 R qui vont retourner sur le mur en théorie. Je crois pas qu'ils soient immunisés contre le vent, on va voir. Si jamais ça prend trop de temps et tout ça, je couperai la vidéo et je ferai un montage. Je me rappelle que j'avais lutté en fait sur la version précédente, enfin sur mon autre sauvegarde, parce que j'avais plus pensé en fait au coup du miroir en fait. Je faisais que avec les attaques spéciales et après taper tout simplement bêtement. C'est con hein, mais bon. Et du coup, ouais, ça passait mal. J'ai fait au moins 5-6 essais. Fight or run. We better decide fast. Par contre lui aussi il a miroir. Alors est-ce que c'est grave? Je sais pas. Non, miroir, ça passe à travers le miroir. Ah non, sinon si, ça revient. Je sais pas si on va y arriver. C'est quoi sommeil? C'est ça. Je crois qu'on va devoir recommencer le truc. Est-ce qu'il a miroir? Il y a toujours miroir. Laissez tomber, on va recommencer. Donc des fois il se met bien le... sauvegarde rapide, donc il se met bien miroir. Donc ce qu'on peut faire, c'est Gambit. Faut honnêtement, on s'en a peut-être pas besoin. Genre purge, on en a beaucoup, purge, enfin beaucoup, on en a 9. Donc faudrait ne pas mourir, ce serait bien. Altération. Et après je couperai si j'y arrive pas encore. Fight or run. We better decide fast. Okay. Oui, c'est ça que tu me... Ok, il a toujours pas fait miroir en fait, c'est bon. Miroir 2.
très bien. Pourquoi? Pourquoi l'autre il est mort? Miroir. Pourquoi l'autre est mort? Je comprends pas. Il y a trop de soins en fait. Il y a trop de soins. Donc, du coup, il y en a un qui lui manque le miroir en fait. Non, on va pas y arriver. Et on est mort. Bon bah, on va devoir faire un montage. Fight or run, we better decide fast. Yes! Putain! On l'a défoncé, il est à peine au milieu du... du chemin, quoi. Ben, c'est la deuxième fois. En fait, non, c'était une erreur de timing. Vous avez vu que j'ai désactivé, en fait, les gambits. Et après, je les ai réactivés en combat. C'est tout simplement parce que... Pourquoi il y avait des gens qui crevaient? Tout simplement parce que... quand je lançais miroir... Du coup, elle fait... en gros, les buffs... Et ça, j'en ai parlé aussi dans mon autre sauvegarde. C'est que les buffs, en fait, en AOE, mettent du temps. Que ce soit même des attaques en AOE. En fait, elles mettent du temps de passer à un ennemi, puis à un autre. C'est pas instantané. C'est pas tout le monde prend le buff. Ou c'est pas tout le monde prend l'attaque. C'est l'un après l'autre. Oh, stop. Alors, attendez. Du coup, on va remettre ça. Et du coup, c'est un problème, ça. Et en gros, dès que je mettais... N'absorbe pas l'air. Dès que je mettais miroir, en fait, je lançais miroir. Du coup, j'avais miroir sur genre Van, par exemple. Mais pas les autres. Et du coup, bah, les autres, ils se prenaient genre R. Et c'est pour ça que tout le monde crevait à chaque fois. Tout simplement. Voilà. C'est pour ça que tout le monde crevait. C'est bon, ça on va l'enlever, on n'a pas besoin, parce que j'ai pas envie d'utiliser des objets pour rien. Voilà, nickel. Ah oui, par contre, oh putain, ça va être la merde. Ouais, on va pas arrêter du coup. Là, il va rien se passer, je crois. Ouais. Faut aller tuer l'autre... L'autre mur qu'on peut aller tuer vu qu'on est buffé, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ce mur là il est très facile à faire parce qu'il est, c'est 15 fois plus long déjà le chemin, et vous pouvez l'arrêter en touchant les objets sur le côté. Après l'entrée c'est encore plus stylé quoi. We must be quick. Together we can bring it down. Ok, Fran. On peut faire ça. Il y a inscription. Son implacable furie les flammes attise. Alors sans répit, il poursuit ses prises. Hop. Le mur des maillots s'arrête. Tout le monde a encore miroir. Ouais.
Tout le monde a encore un miroir. Non, il n'y a plus que H et Van. Ok. Ça, vous avez, oui, ça reste pas extrêmement longtemps. Hein. Ouais, bon, Ash elle est un peu bloquée sur buffer tout le monde. Avec des boucliers, c'est bien. C'est pas grave, voilà, très simple. Et vous pouvez faire ça sur énormément de boss. Le coup du miroir. Ça marche vraiment, vraiment bien. C'est un peu OP même, parce que voilà, si vous êtes 4. Vous faites une seule magie en AOE, bah ça elle revient 4 fois sur l'ennemi, c'est un peu débile quoi. Mais bon, comme ça. Ah, bien joué. Vous avez vu comment on l'a décimé le premier mur? Alors que le premier mur il est chaud. Hein. Voilà. Ouais non, le mode marche... Attendez. Non, on vient d'où? Merde, je m'en rappelle plus. Non, on vient de là. Okay. Le mode marche bien où les buffs restent plus longtemps. Attendez. Non, c'est là-bas. Les buffs restent plus longtemps et c'est déterminé par les stats du personnage, genre vigueur apparemment, pour les buffs. Des buffs et des buffs, apparemment c'est vigueur qui détermine ça. Mais non, je suis content du mode, très très bien, il marche très 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 bien. C'est tellement plaisant de jouer normalement. Parce que ce jeu-là est extrêmement calqué sur FF11, qui est un MMORPG, qui marche toujours, hein. Il a plus de 10 ans je crois. Oui, il a plus de 10 ans, ça c'est sûr, peut-être dans les 15. Et avec les jobs et tout ça, et les buffs ils duraient longtemps, genre protection, genre shell et protect là, ça durait 30 minutes je crois de base. Genre, je vois pas pourquoi dans le jeu ça dure 15 secondes. Nickel, on va s'arrêter là, on va peut-être virer deux mages parce que deux mages c'est un peu OP. Mais voilà, ça marche super bien. Bash. Nickel. Ça marche super bien, très content. Nickel. Donc on verra, on continuera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.